Alors, étant donné que j'ai un peu de matière première ici, de la vieille ferraille, et que j'ai aussi quelques fûts en métal, comme cela, eh ben, je vais faire en fait un support pour rôtisserie, un barbecue, quoi. Un peu plus petit que celui que j'avais fait l'année dernière, beaucoup plus petit même. Donc là, c'est pas pour du cochon, c'est pour du poulet. Allez, eh ben on va faire une petite découpe de tout ça. Bon, pour la découpe des fûts, j'ai rien de particulier, hein. On trace une diagonale, on passe, oui, bref, on passe par le centre. On trace une verticale à tout le long du fût et on fait ça à la disqueuse. Voilà, une moitié de fût, hop, avec chopper, un gros malamute. Voilà, donc une moitié de fût qui est là, et je vais faire le support pour ça avec ma ferraille. Je vais me servir de cette partie de cadre qui est déjà soudée. Bon, là on voit que c'est esquinté ici, mais je vais tronçonner, évidemment encore le chien dans le passage. Je vais tronçonner, je vais garder ce cadre-là puisque ça correspond pas trop mal à la dimension de mon demi-fût qui est ici. J'ai mesuré la hauteur que je veux et puis je vais couper les pieds dans ce qui me reste de métal. C'est-à-dire que là, je vais couper au ras comme ça de cette barre-là qui sera au sol. Je vais faire ma hauteur ici. Il faudra que je redresse un petit peu celui-là, mais c'est pas catastrophique. Je vais me servir aussi de cette deuxième partie-là pour faire les deuxièmes parties de pied. Et puis je souderai certainement une barre droite entre les deux pieds au sol. Comme j'ai cette patte-là qui est un petit peu tordue, je vais y faire un redressage sommaire. Comme j'avais un pied qui était cassé, le bout il était mal soudé, donc là j'ai refait ça. Et maintenant je vais souder sur mon cadre. Je vais faire une petite étagère là sous mon bac, donc histoire de pouvoir ranger en fait quelques petites choses. Donc je vais souder un cadre comme ça que je vais souder à l'intérieur.
Alors, bon, mon petit support d'étagère est en place, mon renfort entre les deux pieds est en place aussi. Là, j'ai mon fût, j'y fais des systèmes de verrouillage. Donc, simplement, j'ai un fer à béton qui passe complètement à travers, donc avec des trous-trous, et hop, comme ça, on emmène dans le trou de l'autre côté. Et on verrouille. Voilà, comme ça tient par-dessus et on peut pas, donc le fût ne peut pas basculer dans ce sens-là et on peut pas non plus le soulever. Comme ça on peut faire des choses autour sans avoir peur d'une catastrophe. Donc je vais fabriquer un deuxième verrouillage comme ça avec donc du fer à béton et que je soude pour le faire. Hop, où est-ce que c'est? Voilà, j'ai un fer à béton comme ça. Je viens y souder donc ça au bout et après je viens y souder ça comme ça. Et puis j'ajuste un petit peu au niveau des dimensions au fur et à mesure. Petit coup de meulage et je vais ajuster ma longueur avant de souder mon autre morceau comme ça. Voilà mon deuxième verrouillage terminé. Hop, à travers les trous-trous. Voilà. Un verrouillage ici, un verrouillage ici. Là, je peux le soulever par le fût, j'ai pas de souci. Bon, il me reste à découper une grille qui va venir se reposer ici sur mes deux fers à béton et découper ici dans le fond une petite trappe pour l'évacuation des cendres et à mettre de ce côté-là une petite partie bois histoire de poser les ustensiles et de finir ma petite tablette en dessous. Voilà. Je vais maintenant y découper un peu de, comment ça s'appelle ça en français, de métal déployé. Donc je vais couper tout ça pour poser sur mes verrouillages, histoire de garder la braise en dessous, même si j'ai quelque chose qui vient par dessus. Petite grille est en place sur mes verrouillages. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais découper ici sous mon cadre de maintien, je vais découper une petite trappe pour pouvoir évacuer les cendres assez facilement. Une trappe rectangulaire, enfin, je vais suivre un peu le fond, disons à peu près ça d'épaisseur, quoi. J'ai fait un petit sourire, donc maintenant, eh ben, une fois en place, ça donne ça. Comme ça, on peut éliminer un peu les crasses dedans sans avoir à tout sortir. Donc, comme ça, j'ai mes verrouillages viennent en place.
petit peu ajuster tout ça, mais c'est fait exprès. Voilà ma grille. Et voilà. Donc il me reste à faire un petit peu de travail d'esthétique. Je vais faire mes planches ici, faire mon petit étagère. Peut-être un petit coup de peinture sur l'ensemble. Et puis on verra bien quoi. Allez, un petit tour du propriétaire, comme on dit. Et puis voilà, c'est terminé. Donc là, nous on a un système qui vient par-dessus pour cuire des poulets. Mais je pourrais très bien m'en servir en fait comme ça directement en tant que barbecue. Peut-être en faisant une petite modification pour faire un réglage de hauteur de grille. Voilà, je vais vous mettre les photos avec les dimensions de tout ça. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao !